Et pour la violence faite aux femmes, alors on voulait briser le silence. Ça n'a pas vraiment été facile parce que vous avez vu, c'était une pièce vraiment difficile à danser comme moi. J'étais une seule fille, il y avait seulement des mecs. Acha kwanza niwaambia wa vijana kama umefanya kazi nzuri, umefanya kazi yenye hatuzui hapa nchini kwetu Burundi, you know. This is the first time wanafanya hiki kitu. C'était comme si on lui demandait de ne pas avaler, genre si je parle du titre qui est ne pas avaler, c'est ça? De ne pas avaler ces violences, de crier haut et fort et de les dénoncer, de le dire. En fait, j'ai bien aimé la pièce. C'est une thématique assez actuelle, malheureusement. Je pense que c'est une forme de... Comment je dis ça? D'artistique pour vraiment présenter un message, et c'était intéressant pour voir et aussi assez touchant. Et les gens sont venus nous soutenir et ça s'est bien passé et cool. Salut, on est venu aujourd'hui voir la danse, tout ce que vous nous avez présenté. Et, en commençant, je voulais vous demander d'abord de vous présenter, en bref, nous dire votre nom et d'autres choses vont suivre après. D'accord. Bon, moi c'est Bob King DM, je suis danseur chorégraphe. C'est moi le créateur, le fondateur de Real Dance. Ouais, je connais ça. Merci. De tout ce que vous nous avez présenté ici et de tout ce qu'on a vu ici, quel est le message que vous vouliez passer? Quel était le message que les gens voudraient savoir que vous vouliez passer? Parce que vous avez beaucoup dansé, on n'a pas su. En bref, ce que vous vouliez danser, on veut savoir le message. D'accord. En fait, le message, c'était pour briser le silence parce que les pièces, c'était pour la violence faite aux femmes. Alors, on voulait briser le silence pour dire aux femmes de briser le silence, de ne pas rester seulement calme et tout ça, déjà comme ça. Ah, merci. Et je voulais aussi vous demander quelle était votre inspiration. Votre inspiration venait d'où? Qu'est-ce qui vous a poussé de nous présenter le silence du viol? Quelle était votre inspiration? L'inspiration, je peux dire que j'avais vu une femme qui a été violée, alors je me suis dit, moi aussi je vais faire quelque chose déjà pour briser le silence, alors oui c'est ça. Vraiment merci, c'est pas, peut-être qu'on va causer avec les autres danseurs, comme vous, comme le président, merci, on vient de presque tout savoir, merci. D'accord. Bonsoir mademoiselle, d'abord je vous salue et je voulais juste encore vous demander, en commençant je voulais vous demander votre nom, de vous présenter, c'est à vous. Je réponds au nom de Dan Iggy, je danse dans le groupe THFOC et je suis aussi dans la compagnie E-Watch Dance and English and je suis aussi dans l'organisation de Read Dance. Je fais partie de l'organisation de Read Dance. Merci mademoiselle. En regardant ce que vous avez presté ici, en regardant comment vous avez dansé, vraiment vous avez très bien dansé. Et quelques questions que je voulais vous demander, en étant une seule fille, j'ai vu que tu étais la seule fille ici, et puis tu as dansé sur le viol. Et tu peux nous dire quelques difficultés que tu as eues dans les répétitions, tout ça? Comment, est-ce que ça a été facile de l'accepter, que tu vas danser, tout ça?
Bon, de mon côté, ça n'a pas vraiment été facile parce que vous avez vu, c'était une pièce vraiment difficile à danser comme moi. J'étais une seule fille, il y avait seulement des mecs. Alors bon, mais en y pensant, je devrais le faire pour montrer au monde que la femme, malgré qu'on la maltraite mal, malgré les violences, mais on doit rester soudé. Même si on est des femmes, il y a des hommes qui disent que les femmes sont des objets un peu fragiles, tu vois, très fragiles. Mais de mon côté, ce n'est pas le cas. Même si je suis une femme, je dois me battre. Je dois me battre, vraiment me battre. Ouais, c'est ça. Encore une fois, je voulais vous demander, vous comme une danseuse, et comment votre société là-bas à la maison, la société, comment vous regarde, ils jugent comment la danse, c'est le vous, comme vous le voyez. Bon, la société, comme d'habitude, il y a des gens qui sont pour et il y a des autres qui sont contre. Mais de mon côté, la danse, c'est pas juste danser. Quand on danse, on exprime, la danse, c'est comme des émotions. Les émotions qu'on ressent, tu vois. Mais la société, il y a ceux qui disent, la danse, il y a les danseurs, ce sont des chômeurs, ils dansent juste pour se faire plaisir. Mais de mon côté, c'est pas le cas. La danse, c'est le travail et c'est ma passion aussi. Parce que c'est le travail, parce que c'est quelque chose que je fais et que je fais ce que je veux, je ressens. Tu vois? Alors, peu importe ce qu'ils disent. Ils disent ça, que la danse, c'est juste s'amuser. Mais de mon côté, c'est pas le cas. Il y a aussi des parents qui ne sont pas pour, tu vois? Comme mes parents, il y a ceux qui sont pour et parfois ils sont pas pour. Parce que souvent on rentre le soir, tu vois, les trucs comme ça. Il y a les parents qui n'aiment pas ça. Mais on doit le faire. C'est notre vie. C'est ce qu'on vit. La danse, c'est notre vie. Malgré les difficultés, mais je continuerai à danser. Vraiment. Moi, la danse, c'est ma passion. Et c'est mon travail. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui viendra un jour me dire d'arrêter. Si je ne veux pas. Si je le veux, oui, là c'est vrai, j'arrêterai. Mais si quelqu'un me dit qu'il faut arrêter ça, je ne peux pas. En tout cas, madame, merci. Merci beaucoup et félicitations aussi pour la danse. Merci. Merci aussi. De vous présenter, de nous dire votre nom et de nous dire ce que vous êtes pour ceux que nous venons de voir ici. Premièrement, je m'appelle Ashfaq et je suis chargé de l'administration au sein de Real Dance. Et je peux dire qu'on a fait la conception du projet ensemble avec Bob King. On l'a fait à deux et ensuite on a contacté les autres. Merci. Bon, de ce qu'on a vu ici, le dance, real dance, comme question, je voulais vous demander, ce que j'ai vu, c'était vraiment génial. Vous avez bien presté. Je voulais juste vous demander, de tout ce que vous avez estimé, tout ce que vous vouliez faire aujourd'hui, est-ce que les résultats étaient les mêmes ou bien il y a eu quelques difficultés comme ça? Alors, franchement, on remercie Dieu de tout ce qui s'est passé ici. On n'a pas vraiment, je peux dire qu'on n'a pas accepté ça. On n'a pas accepté ça. Donc c'est Dieu qui l'a fait. Et les gens sont venus nous soutenir et ça s'est bien passé. Et cool. Et pour le jeune danseur et danseuse,
tu peux nous dire les difficultés que les danseuses ou les danseurs peuvent avoir en ce qui concerne la danse et tout ça, en regardant de ce que les difficultés que vous aviez vues, tout ça, en bref. Je veux savoir les difficultés que vous pouvez rencontrer en ce qui concerne la danse. Bon, la seule difficulté qui peut être là, c'est le temps. Le temps de chacun. Le temps de chacun est vraiment difficile. Du coup, pour que chacun de nous soit disponible autant qu'on veut, nous, et c'est difficile. Il faut de l'engagement, il faut du dévouement pour le projet, pour faire ça. Et question la société, bon, dans vos entourages et dans la société, est-ce que les gens vous acceptent, acceptent la danse, comprennent la danse, tout ça? Oui, ça va venir, ça va venir. Je ne pense pas que c'est facile à faire ou à dire, mais ça viendra avec le temps. En tout cas, merci encore. Jambo sana kaka, nakuona uko sawa kabisa. Sasa, kwa kwanza nilikuwa napenda kwanza nijue majina yako. Majina yangu naitwa Shabir Chuwairo, lakini wengi wananifahamu kama Kaboss for Real, niko mtangazaji kwa Siren Vibes TV. Asante. Sisi wote tuko hapa tulikuja kuangalia naweza sema dance. Sasa na wewe kivyako kwa nini uko hapa? Ni ile upendo kuonesha support kwetu sisi watangazaji, ndio maana mimi niko hapa. Kwa juu tunajua kama dance ya Burundi ikinakuwa polepole. Sasa kwa juu ikinakuwa polepole, ni vyema mimi nipashe kuwa hapa ili kesho nije kuwa support, kuwapa kipindi na wenyewe wapate ile shavu ya kusema na watangazaji, na wenyewe pia wanatusupport. Ni kupenda, ile kupenda tu vya kwetu. Asante sana. Sasa kwa gisi wewe ulivyoona dance hapa, ulionaje? Ulichukuliaje mambo gisi uliyaona? Unaweza sema kwa ufupi gisi ulivyoona? Yeah, mbele ya yote naacha kwanza niwaambia wa vijana kama umefanya kazi nzuri, umefanya kazi yenye hatuzui hapa nchini kwetu Burundi, you know? This is the first time wanafanya hiki kitu. Sasa ni vizuri sisi kama watangazaji au mrundi yoyote penye yuko apate atui support kiasi fulani. Nimeviona vizuri, nimechukulia fresh sana, nimefurahi. Na uone sasa maajabu, ni dance lakini pamo ndani na message. Wako na dance lakini unaona hawa jamaa wako na dance, message inatoa emoni hii hapa, you know. That's why inasema hawa vijana waendelee wanafanya hivi vitu kwa juu bitageuza maisha watu wengi sana. Mimi nasikia umesema kitu message. Sasa kama wewe, ni message ipi uliona walicheza? Watu wenye wakuwa hapa, watu wenye wakuwa hapa around, wenye wakufika katika hii tukio, naweza nikasema message ilikuwa hapa ni message wanaonesha kama mtoto mwanamke anakwenda kuchota. Baada ya kufika kwenda kuchota akakutana na jambazi. Let me say ni jambazi afu akambaka, you know. Yani inaonesha kama wanawake, yani wanaonewa kiasi fulani, you know, hawapewi ile heshima yao kama wanawake, kama mama zetu, kama dada zetu. That's why ndo message naweza ngasema ili kuwepo hapo. Asante sana. Sasa swali langu lingine ni nilikuwa nataka nijue kipi gani unaweza sema wange change, yani wangebadilisha, kitu gani ambacho kukifurahia, unaweza sema hiki kitu sikukipenda kweli, hiki kitu wangefanya hivi, ni kama kitu gani? Mimi kivyangu naweza nikasema nimefurahia kila kitu, lakini kuna some point, kuna pointi fulani fulani kivyangu nimeona kama yani hii kitu kabisa pa sio kusema eti mtoto ukikosolewa ni vyema yani ugeuke. Mimi kivyangu nimeona kama the way wali dance, wakuwa na dance ngoma za nje sana. Yeli sio ngoma za Burundi, you know. Hapa tuko Burundi na nimeona wa invite wa kwa wengi wazungu, ndio wakuja kutoa support kubwa. Sasa ni vyema tukiwaonesha, tukiwasikilizisha ngoma zetu za Burundi, you know, wazifeel. Kwa jua hapa kama tupandishi vyetu, kama tupendi vyetu, ni vigumu. Mimi sasa nimeingia hapa nimesikia ngoma za wasanii wa nje, siwezi nikawataja jina. Na hapa tuko na wasanii wazuri, wako na ngoma nzuri, tukitia hapa itakuwa ni vibe nyiko fresh. Ako tu ndo kinaweza nikasema kingine nacho masaa ya Warundi vraiment ni problem. Kuafishi kwa ni 18h, wenyewe walituanzia saa ngapi? 19h. Na kawaida kama hatugeuzi mentality, na sisi Warundi tuendelea kuwa tunachelewa hivyo hivyo. Wenyewe wakianza mapima ndo hivyo kitu kinajipu. Asante sana. Nikisikia maswali yako, kuna maswali yako soft, courage. Acha niwaambie na wapenzi wa Imperial TV, hawa vijana wanafanya fresh, they do good. Tufanye subscribe kwenye channel yao ya Imperial TV ili tuzidi kupanua uwanja na tusupportiane kinamna moja ama nyingine. Deborah.
Bonsoir. Bonsoir. Ok, bonsoir. Premièrement, je voulais d'abord vous demander de vous présenter et donner votre nom. Moi, je suis Edouard. Lali. Merci. Bon, je voulais vous demander sur le pièce que vous avez vu ici, bon, comment était le pièce et quel était le message, en bref. Le message, on a vu une femme qui a été violée, qui... C'était comme si on lui demandait de ne pas avaler, genre si je parle du titre, qui est ne pas avaler, c'est ça ? De ne pas avaler ces violences, de crier haut et fort et de les dénoncer, de le dire haut et fort pour qu'ils soient punis. Oui, c'est un peu ça, non ? En fait, j'ai bien aimé la pièce. C'est une thématique assez actuelle, malheureusement. Malheureusement, je pense que c'est une forme de, comment je dis ça, d'artistique pour vraiment présenter un message, et c'était intéressant pour voir et aussi assez touchant. Ouais, j'ai bien aimé la pièce. Ouais. Ah ouais. Et aussi, quel était, bon, je peux dire que les trucs, je peux dire des choses que vous avez pas aimé, bon, quelque chose que vous, de votre part, vous avez pas aimé, quelque chose que vous avez. Je peux dire que vous avez dit oh non, ça non, truc comme ça. Il y a quelque chose que vous n'avez pas aimé selon vous? Dans la pièce? Non, pas vraiment. Sauf que, bon, après, pour la présentation, elle a été un peu longue, trop d'explications qui, oui, certes, sont nécessaires, mais à un moment donné, quand ça devient un peu long, c'est soporifique, mais bon, oui, mais sinon... En fait, je ne sais pas mieux faire moi-même, mais par contre, en fait, c'était très bien fait. Par contre, les transitions, des fois, étaient un peu... Ouais. Ouais, brusques. Ouais. Même avec la musique et tout ça. Mais bon, c'est bien fait, je crois. Merci à vous.